C'est étonnant, non? 1, 2, 1, 2, 3. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal. Qui juge et qui condamne? Les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir. Oh non. Pas moyen de s'en sortir. Oh non. Il y a vraiment rien de pire. Oh non. Les flagrants délits. L'audience est reprise. Jean Dutour est aujourd'hui notre inculpé. Je vous rappelle qu'il est accusé d'infraction au code de la route pour être passé au vert en entrant à l'Académie française et qu'il est également accusé d'infraction au code de l'hygiène alimentaire concernant plus précisément la vente au détail des produits laitiers. Après avoir écrit au bon beurre, il écrit maintenant dans Rang ce soir. Le parquet va requérir maintenant contre le prévenu. Ce parquet, c'est-à-dire ce ras du sol, si bien représenté par le procureur général de la République des Proches Françaises. Superbe. Française, français, belge, belge, académicienne, académicien, mon président, chérie. Triste raclure du barreau de mes deux chaises. Monsieur le journaliste quotidien. Monsieur le voyou d'Antenne 2, impie, sans foi ni loi, qui rigole dans les cimetières balnéaires mondains. Monsieur le gentil loukoum chantant. Mesdames et messieurs les jurés. Public chéri, mon amour. Dormesson 1. Dutour 2, reste 38. Ça rigole plus sous la coupole. À l'ombre, les légumes verts. Vous l'avez dans le baba, les 40 valeurs. Oui. Je me félicite avec vous, monsieur le président, mon amour, de la façon dont nous entamons ici le processus qui devrait nous conduire rapidement à ce que j'appellerais la solution finale du problème Académie française. D'autant plus rapidement qu'en commençant, comme nous le faisons, par juger les plus jeunes, nous faisons vraisemblablement l'économie de nombreux procès coûteux. En effet, si tout va bien et si le temps le permet, on peut raisonnablement espérer qu'un bon quarteron d'immortels ne passeront pas l'hiver. Qui s'annonce très mal, d'ailleurs. Oui, j'espère. Un quarteron, c'est 25, lui, c'est pas 4. Ah bon? Ouais, mais c'est ça. Merci, toi, il y en a à dire pour oui, moi. Oui, ça, je le signalais, pas pour vous, mesdames et messieurs, ni pour vous, monsieur l'accusé, je le signale à l'intention de l'olive noire importée, qui se racornit sous nos yeux dans sa brassière en coton couché. Gaufré. Couchez, procu, couchez. Mesdames et messieurs les jurés, n'est-ce point un spectacle étonnant? Ce garçon totalement indifférent au débat. Tu vas encore parler de moi? Ce garçon totalement indifférent au débat. Sa frêle intelligence tout entière accaparée par la digestion des boules-quies en couilles de morue. Que sa tata Rodriguez lui a envoyé hier de Lisbonne en paquet fado. Cette parenthèse fermée, revenons-en, si vous le voulez bien, aux 40 semi-grabataires cliquetants et frémissants du Quai Conti qui graffitouillent dans le dictionnaire en attendant que la Camarde les tire par le bicorne et demandons-nous ensemble s'il est vraiment d'un exquis bon goût de tourner la mort en dérision comme on le fait trop souvent dans ce tribunal malgré les nombreuses notes de service du président. Justement, coïncidence, j'en ai une sous la main, je vous la soumets. Note de service. CV sur P. Ça veut dire Claude Villers sur Patricia. C'est une image. Patricia, c'est la secrétaire, imbécile. Ils ne sont pas ensemble. Et leur soi-disant rapport sado-maso ne sont que d'infâmes bruits de couloir colportés par les femmes de ménage giscardiennes jalouses. Note de service. CV sur P.
Oui, c'est la secrétaire. Oui, simple... non, ben oui, tout okay. simplement. C'est elle qui tape, c'est lui qui crie. Non, pardon. C'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit, c'est sur elle qui tape. Note de service, CV sur P. Destinataire, messieurs les avocats, procureurs, assesseurs, assez frères, etc., etc. Objet de dérision. Il me revient de nombreuses sources. Alors, Louis, il me revient de nombreuses sources, ça ne veut pas dire qu'il a hérité de la société des autres Vichy. C'est encore une image. Objet de dérision. Et je cite, comme dirait Zitrone. Il me revient de nombreuses sources que les débats du tribunal... Ça veut dire qu'il dort pendant les audiences, sinon il n'aurait pas besoin d'aller à la source, évidemment. Il me revient que les débats du tribunal sont fréquemment émaillés de plaisanteries scabreuses d'un goût douteux sur la mort. Les auteurs de ces plaisanteries semblent ignorer que parmi les personnes sensibles qui nous écoutent tous les jours, certaines sont mortelles, et moi-même, je ne me sens pas très bien. En vertu de quoi, poursuit la note de service, je demanderai à tous et à toutes d'éviter désormais toute allusion morbide ainsi que tout calembour déplacé sur la mort d'autrui du Périgord. Le non-respect des consignes ci-dessus entraînerait immédiatement une mise à pied dans la tombe ou aux fesses suivant la gravité de l'insulte au Maccabée, 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 D'autre part, je rappelle que seules sont tolérées sur l'antenne les vraies plaisanteries authentiquement gauloises qui ont plus fait pour le prestige de la France dans le monde que le bombeur de Jean Dutour pour le prestige de mon cul. À savoir, les belles-mères, les cocus, les aliénés mentaux, les imbéciles, les Belges, pléonasme, les Suisses, un peu les nègres, pas trop les juifs, surtout pas les arabes. Les arabes riches, évidemment, les émirs. Les autres, vous pouvez y aller. Le prout et enfin le sexe. À condition d'éviter les appellations triviales, je pense notamment à cette atroce quéquette qui peut faire mal en entrant dans une oreille chaste. Et dans une cabine. Enfin, poursuit toujours la note, un système de calembours roulant sera dorénavant institué chaque semaine. La haute autorité des neuf sages, seule capable d'objectivité, puisqu'elle est majoritaire à gauche, choisira, en effet, chaque lundi, le calembour autorisé à l'antenne jusqu'au week-end suivant. Cette semaine, le calembour autorisé, avec l'aimable autorisation de Pierre Desgroupes, qui en est l'auteur, est... T'as vu Monte Carlo ? Non, j'ai vu monter personne. Fin de la note de service. C'est signé non pas CV sur P, mais P sur CV, parce qu'à la fin, c'est elle qui est dessous et c'est lui qui tape. C'est atroce. Et puisque nous parlons de Monte Carlo et de la mort, mesdames et messieurs les jurés, je ne peux m'empêcher d'évoquer ici un spectacle consternant de mauvais goût dont des millions d'entre vous ont peut-être été les témoins. Le jeudi 16 septembre, lors du dernier journal d'Antenne 2, la chaîne du bon goût et de l'école des fans réunis, c'était donc moins de trois jours après le deuil qui frappa la principauté, et on nous a montré un match de football opposant l'équipe de Monaco à je ne sais plus quelle autre équipe, le football occupant dans ma vie privée à peu près autant de place que le tricot au crochet. Ce que j'ai vu, ce que toute la France a vu, ce que toute la France et Monaco ont vu, c'est que ces 11 sagouins nécrophages gesticulaient, criaient, shootaient, tombaient par terre, ils se filaient des claques de pochards dans le dos, ils rigolaient comme des baleines. Mais ce n'est pas tout. Que ces jeunes gens aient pu jouer dans l'herbe en un moment pareil, certes, c'est très mal. C'est très très mal. Mais croyez-le ou non, je l'ai vu de mes yeux vus, je jure que c'est vrai. Ils ont poussé le sacrilège et la profanation sépulcrale jusqu'à jouer à la baballe avec un brassard de crêpes noires au bras. Si vous trouvez que c'est du bon goût monégasque, vous m'écrivez, vous avez gagné. J'appelle ça du mauvais goût. Moi qui porte le deuil dès que je peux, au point que je ne baisse plus pendant 6 semaines chaque fois que je perds ma femme préférée dans un accident d'automobile. Donc, Jean Dutour est coupable. Je serai assez partisan de l'enfermer à vie afin qu'il ne soit plus distrait par les séances stériles de l'Académie française quand il a un livre en route. Si je peux me permettre un avis sincère, mesdames et messieurs les jurés, je dirais d'expérience que plus je lis Roland Barthes et Lacan, plus j'aime Dutour, n'en déplaise aux beaux esprits parisiens. Et s'il est vrai
que le martyr, c'est la seule façon de devenir célèbre quand on n'a pas de talent, ne martyrisons pas Jean Dutour, il n'en a pas besoin. C'est étonnant, non ?